Elle est sur le pied, tu la vois sur le pied, mais c'est pas elle, c'est une personne dans ta famille qui est sur le pied. Mais il faut avoir un grand discernement pour séparer ces deux personnes. Tu m'entends? Ne crains pas. La preuve qu'elle est pas sorcière, demain après les 18h40, elle va t'appeler. Et après demain, après les 8h, la sorcière dans ta famille va t'appeler. Elle va te demander un service. Maman, tu crois que je suis prophète? Ces deux actions vont me confirmer dans ton cœur. Demande l'offrande. Shalom. Que l'Éternel exauce au nom puissant de Jésus. Va, ça sera fait tel que l'homme de Dieu l'a dit. Amen. Tu peux venir me voir mercredi? Mercredi matin. Tu sois à 18h. Tu sois matin de ça à 18h. Ton papa va combien de temps? Mon papa est pas le père. Mon papa est le père. T'avais fait qui? Côté maman. Côté maman. Je vois des personnes autour de toi qui t'empêchent d'atteindre ton objectif. Tu as un esprit de recherche sur toi. Partout où tu arrives, c'est comme on te dépousse. Même femme qu'on drague et qu'on fait un métier bien bien là, pour toi ça passe. Tu m'entends? Cherche un mercredi, viens me voir. Parce que je vois toi d'araignée sur toi. Donc quand tu arrives quelque part, il y a des vibrations négatives. Or quand je te regarde, toi tu vas construire maison. Tu vas construire maison. Ça va marcher pour toi. Tu m'entends? Ça va marcher, tu vas construire maison. Mais il faut que ce toit d'araignée là, on les dégage sur toi. Tu m'entends? Cette année est une année sérieuse pour toi. Mais l'année prochaine est une très bonne année pour toi. Tu vas tomber si un homme il est maoka, il est âgé, il va te prendre pour son enfant. Et c'est par lui ça va marcher pour toi. Mais toutes ces choses vont se réaliser. Ma fille, moi, bien. Sois force, partout tu as une tomie, tu te recommandes à toi mon sang. Sois force, sois une race très force, une race aussi compliquée. Personne ne te mangerait, ne te dominera. Au nom de Jésus. Amen. Tu m'as dit à ta vie. Il y a une action qui t'a choqué. C'est dans ton cœur. Mais viens mercredi, je vais faire évacuer, ça peut prospérer. Ça reste dans ton cœur, ça ne peut pas marcher. Tu m'entends? Donne-moi la main. Que l'Éternel t'exauce. Amen. L'Éternel est fidèle. Dis-moi, où est ton premier homme? Il est où? Je ne sais pas où il est. Tu viens avec quelqu'un, tu vois? Tu viens avec personne. Je suis en train de voir ton premier homme qui est en train de rêver. Je ne suis pas pasteur, moi je suis prophète. Je suis en train de voir ton premier homme d'ici 4 à 5 mois qui va revenir t'appeler encore ta force. Donne-moi la main. Quand tu vas s'accomplir, elle reviendra me voir. Amen. Shalom, l'Éternel est fidèle. Prospère partout tu iras. Au nom de Jésus. Papa. Papa, tu as dit à ton cœur, il n'a rien dit pour moi, il n'a rien dit pour moi. Papa, tu as combien d'enfants?
Quand tu es. Tu as combien? Non. Tu as combien? Ah, non, faut pas oublier. Dis-moi. Non, David. Dis-moi. Quand tu étais encore un peu plus jeune, mais plus de 30 ans, une jeune fille t'a pas dit que tu l'as cédé? Tu m'entends? L'enfant sera grand. L'enfant avec son étoile est plus élevé que tout un enfant légitime. Je ne suis pas pasteur. Je suis prophète. C'est l'enfant qui va te donner à boire. Tu m'entends? Je vois cet enfant entrer au Cameroun. L'enfant a parlé à l'homme fort du Cameroun. Mais l'homme fort du Cameroun, il n'est pas seulement l'homme fort. Il est à côté de l'homme fort. Mais il sera l'homme fort bientôt. Ton enfant va entrer en contact avec l'homme fort. Ton enfant va entrer dans une histoire qu'il ne va pas maîtriser. Mais cette histoire va l'établir. Et tu ne vas pas mourir, tu vas voir ça. Cet enfant, récupère dans son début, ça va marcher. Merci. Shalom. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est vivant. Maman, tu es éprouvé. La maison est éprouvée. Seulement, le jour de ta naissance, si c'est un vendredi ou bien c'est un samedi, prends le jour de ta naissance, il faut jeûner pour ta maison. Prends le jour de la naissance de ton mari, il faut jeûner. Il n'a que deux jours de jeûne. À partir de cela, tu vas commencer à marcher. Tu m'entends? Shalom. Regarde-moi, ne quitte pas ton mari. Tu m'entends? Tu vis avec quelqu'un, il ne faut pas le quitter. Il prend actuellement, il ne te respecte pas, il ne te donne pas l'argent. C'est pour un temps. Tu m'entends? C'est pour un temps. Je suis en train de voir un homme de Dieu. Attends, on va finir à midi. Hein. Je ne m'amène pas à prophétiser longtemps. On va finir à midi. Vers quelle heure? Comment? Il est 7h. Je vais déjà me réveiller. Il n'est pas connu actuellement. Après, il travaille avec un passeur. Mais le passeur a fait tellement de maltraiter, c'est Dieu qui fait ça. Il va sortir. C'est lui qui sera le prophète de ton mari. Tu m'entends? Et l'onction que Dieu lui a donnée, qu'il va prier pour ton mari va arrêter l'alcool. Et il y a un sort qu'ils ont lancé à ton mari. Quand il boit, il devient comme un homme qui est fou. C'est ce prophète-là qui va annuler ce sort dans son corps. Ce n'est pas prophète Dieu, mais c'est ce prophète. Il ne va jamais se convertir avec moi. Parce que dans sa destinée, il ne m'a jamais raconté, il ne me racontera jamais. Donne-moi la main. Shalom. C'est fait. Amen. Je suis en train de te voir dans un champ. Où tu te vois dans le champ, il y a un serpent noir qui t'a piqué. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles où? Tu travailles où? Oui, mais tu travailles où? Tu travailles dans le champ des veillards. Tu sais, dans le champ des veillards, tu travailles dedans. Je vois un serpent noir. Pas ce vendredi là. L'autre vendredi, il ne faut pas aller au champ. Il y a un problème de jalousie. Il y a une jeune fille. Il y a ton ami qui te soupçonne. Il sort avec elle. Il croit qu'il sort avec elle. Il a mauvais médicament. Pas ce vendredi, l'autre vendredi. Il va t'attendre au champ. Il sera serpent. Il ne faut pas aller au champ. Quand tu ne vas pas aller, le médicament va s'éclater avec toi et tu vas vivre. Quand je te regarde, tu ne sors pas avec sa copine. Donne-moi la main. Vendredi du prochain, ce médicament se finit. Amen. Ma fille, tu étais où il y a longtemps? Tu es arrivé quand? Tu es arrivé vendredi. Tu vas reprendre ton commerce? Tu retournes et tu reviens. C'est là-bas.
Il va t'épouser. Tout ira mieux au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est fidèle. Que les portes les plus fermées s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. L'Éternel est fidèle. Que les portes les plus fermées s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. On se tient tous debout. Je présente un peu comme la nation. Montez, point de loi. Point de loi. Prenons tout ce que tu veux. Les attentes qui gèrent la Côte d'Ivoire, je les soumets au nom puissant de Jésus. Je les soumets maintenant. Les actions, les anges et les attentes commencent à te coller maintenant pour venir vers ce drapeau. Tout ce que ce peuple te demande actuellement, je les envoie au nom de Jésus. Je t'envoie maintenant. Va dans la société. Tu vas travailler. Je t'envoie. Ce foyer est pour toi. Entre. Ça va marcher. Je t'envoie. Ce village. Quand tu vas aller, tout ce qu'ils vont faire, ça ne marchera pas contre toi. Je t'envoie. Le quartier où tu es. Les terres de notre possédeur, le quartier. Je t'envoie. La maison qui dort. Ça marchera au nom de Jésus. Je t'envoie. Ce qui est dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui. Moi, ton prophète, ton papa, la grâce.